La lumière brumeuse du petit matin semble isoler la ville. Bénarès s'éveille. Le Dasasvamedha Ghat est en pleine effervescence. Communément appelé le Ghat principal, il est un des plus sacrés. Se baigner sur ses marches est considéré comme rédemptoire, car le bain dans le Gange est censé laver de tous les péchés. Le Gange est étouffé par la pollution. Il faut croire que les microbes aussi doivent être sacrés. Mais rassurez-vous, seule la surface est sale. En dessous, le Gange est pur. Des plastiques, des ordures sont déversées dans le fleuve, recouverts à certains endroits d'une nappe huileuse. Certains se frottent les dents avec un bâton de neem ou se savonnent dans l'eau noirâtre que d'autres boivent en récitant des mantras. Les bidons de plastique partent comme des petits pains. Les pèlerins les empliront d'eau sacrée. Ensuite, le spectacle le long des Ghats, ces escaliers qui longent le Gange sur près de 7 km. Partout, c'est une explosion de couleurs sur les marches rouges, vertes et blanches. Le Gange doré à cette heure, les sadous drapés de safran et surtout les saris. La barque avance doucement sur le fleuve. On y aperçoit de nombreux palais maintenant abandonnés, que se firent construire du temps de leur splendeur les maharajas et princes hindous, qui tenaient absolument à avoir une résidence à Varanasi. Le Manikarnika Ghat est le plus sacré d'entre tous, car c'est ici que les âmes des restes mortels confiés aux flammes, avec des prières, reposent dans la paix éternelle. Séduits par cette promesse de transcendance et de liberté, de nombreux pèlerins qui estiment vivre leurs derniers jours viennent spécifiquement à Bénarès pour mourir. Enfin, le feu éternel. Le corps mettra 4 heures à se consumer et ses cendres rejoindront Mother Ganga, sortant le défunt du cycle des réincarnations. Environ 200 crémations quotidiennes. Le corps met aux alentours de 3 heures à se consumer entièrement et le bûcher peut nécessiter 350 kilos de bois. Et malgré tout, Bénarès reste si belle. Mmh.